De base, je voulais vraiment être au conseil municipal des jeunes. J'en avais beaucoup entendu parler déjà sur mon ancienne ville où j'habitais avant. Et quand Lorenzo a dû céder sa place, j'ai voulu me présenter et il me donne de très bons conseils. Et voilà, je voulais vraiment me lancer un nouveau défi et devenir maire. Je voulais participer au conseil municipal des jeunes parce que c'était la première fois que je pouvais faire une chose comme ça. Et aussi, j'en avais entendu un petit peu parler parce que ma sœur, elle était au collège, donc il y avait son amie Katel qui était déjà élue. Donc elle m'en avait déjà un petit peu parlé. Et quand ils ont fait la présentation dans nos classes, bah, ça m'a tout de suite plu et j'ai fait ma candidature. Il y a beaucoup, beaucoup de projets que j'aimerais faire. Après, c'est des projets qu'on ne peut pas vraiment dévoiler parce que c'est aussi nos projets personnels. Mais le projet déjà de faire un événement pour les jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, vélo, tout ça, et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui participent. Donc avec mon adjointe Alicia qui n'est pas là, on avait l'idée de faire une compétition avec des jeunes, pour les jeunes, pour qu'ils s'amusent et avoir un moment spécial pour les jeunes. On s'investit beaucoup dans les projets. J'aime bien la commission média. Il y a plusieurs petits projets dedans. Il y a le sport, la cuisine et les interviews. Et on va peut-être aller faire un autre interview chez la cuisine, à Canelles peut-être, juste à côté. Et c'est vrai qu'on en a fait quand même pas mal durant toute une année. Ça m'a bien plu. Ça prend beaucoup de temps le conseil municipal des jeunes. Déjà, même quand on n'est pas élu, ni adjoint, ni rien, qu'on est juste au conseil, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps étant donné les réunions, tout ça, les événements où on demande de participer. Mais ça va, j'arrive à m'adapter. Bon, forcément, ça prend beaucoup de week-ends parce que c'est souvent les week-ends qu'on peut. Mais ça va, de toute manière, même si ça dérange certaines fois les parents parce que bon, ça prend du temps, tout ça. On sait très bien qu'on va s'amuser, même si c'est pas forcément un événement qu'on aime, enfin, c'est un événement comme un autre. On va quand même s'amuser, on est toujours là et on veut toujours représenter les jeunes. Mais je sais qu'il y a toujours mes adjoints, tout ça, pour m'épauler et pouvoir m'aider. Donc, non, je pense que ça devrait passer. Des fois, vu que j'ai mon sport, des fois ça peut jouer, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de week-ends, mais on s'investit beaucoup dedans. Il y a toujours au moins quelques jeunes qui sont aux commémorations ou à d'autres choses qui peuvent être un événement. Et c'est vrai que ça implique beaucoup de week-ends, mais j'essaye de plus m'investir dedans pour participer au plus de week-ends.